Peut-être qu'il y a la drogue chez moi. La police va t'interpeller. Je te dis. Je t'ai dit qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux ça pas? Fait trois fois que le gars s'est accouché sur les dents. Mais elle a fait quoi pour entrer? Demande à Gloria. Mais qui a la dans la première fois, qui a la fait quoi pour entrer? Maintenant il a fui et qu'il a sorti des fois, j'ai le téléphone. La première fois, elle a fait comment? Pourquoi il fuit? Je vois tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. La première fois, elle a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 10 minutes, il m'appelle, il me dit que les airs, faut qu'on casse la voiture. Tu que les airs, tu me les dis. Mais j'étais où? Et pourquoi tu m'as pas dit? Bah... Et tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit? Tu m'as déjà mal à la tête. Et tu m'as pas dit? J'étais réveillé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, tu dors pas, laisse-moi un peu. Ils sont venus une deuxième fois. Mais tu as vu le champagne? Tu as vu le champagne? J'ai l'enfant, j'ai quelqu'un qui buvait le champagne. Pourquoi tu donnes le champagne à quelqu'un? Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Allez, faut arrêter ça, dis-donc. Tu veux le champagne, tu donnes aux gens. Tu veux le champagne, tu donnes aux gens qui s'assoient. Gloria. Gloria. Faut arrêter ça. Le gars a dû mettre quelque chose dans la maison. Il a mis quelque chose, mais tu as vu le champagne pourquoi? Gloria. Tu donnes aux gens. Gloria. Faut arrêter ça. J'ai demandé. Quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi? Pourquoi tu ouvres la porte? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert, il cognait la porte. Il est revenu maintenant deuxième fois. Quelle deuxième fois? C'est quoi? Mais voici, tu sais, trois fois. Première fois, tu avais jamais ouvert la porte, pourquoi? Oui. Tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars dit que c'est la première fois. Que l'esprit a envoyé qu'on casse les portes. Mais okay. L'esprit a envoyé qu'on casse les portes. Oui. Oh, attends, j'appelle la police. Je regarde si la police est arrivée. Mais pourquoi il a fui maintenant? Pourquoi il a fui? Les gars ont fui, hein. Ils ont fui. Où est la police là? Je leur ai dit que papa, entrez, vous buvez. Ils ont fini de boire. J'ai dit que papa, au revoir. J'ai ouvert la porte, ils sont sortis. Je dors, j'entends dans le sommeil comment Gloria parle avec les gens. Je demande à Gloria que tu parles avec qui? Elle dit que c'est un tonton. Quel tonton? Même la force pour me lever du lit, je n'ai pas eu la force. Qu'elle cherche son téléphone. Je dis que mais il n'y a pas de téléphone. C'est Gloria parle, il sort, Gloria ferme la porte. Il redit encore troisième fois. Il a déjà sonné ici plus de 100 fois. Je dis à ce moment-là, il ne peut pas aller ouvrir. C'est pas celui-là, il peut ouvrir. Je pense que là, il peut ouvrir. Il entre dans la main, il commence à fuir les toilettes partout, partout. Il dit qu'il a son téléphone. Il a son téléphone. Et son ami là qui travaille sur au casa. Dès que j'appelle la police. Quand moi fuis avec son ami là, voici la voiture qui est garée ici. Moi je ne peux pas laisser, il faut que la police vienne devant vous. J'ai déjà dit à Gloria de ne plus ouvrir la porte quand quelqu'un sonne, qu'elle ne connaît pas. Mais les nièces vont venir. Voici la voiture là qu'ils ont dit qu'on a cassé la paille. Ils ont fui.
C'est sûr que les gens ici sont nombreux. Ils doivent être nombreux. Ça serait plus simple. Trois fois tu entends la mort de quelqu'un. La deuxième fois, la première fois, c'était devant vous. Après, j'ai parlé doucement. Ils sont sortis, j'ai fermé la porte. Quand ils sont sortis, j'ai fermé la porte. Je suis rentré directement, le sommeil m'a pris. Après, dans le rêve, j'entends aussi Gloire parler avec des gens. J'ai dit, mais elle parle avec qui? Sinon, je reconnais sa voix. J'ai dit, ma Gloire, tu parles quelqu'un avec un tonton. J'ai dit, quel tonton que la voix, il est la porte, et, il a dit qu'il n'a pas son téléphone. J'ai dit, ferme la porte. Ferme la porte. Voilà la police, je crois que je mange, j'ai appelé la police. Voilà la police qui est venue. Voilà la police. Ils ont fui. Dès que j'ai dit que la police, l'ami de Kamala là-bas dit que non. Oh, je suis alors qu'il dit qu'il travaille à Casa. Il dit qu'il travaille à la Casa. J'ai dit, ah, c'est pas que non, le bloc la porte qui ne soit pas la police. Il nous dit où est son téléphone. Je ne sais pas. Vois la voiture là. Petit, il a même mis la drogue dans la maison. Voilà la police. Petit, il a mis la drogue ici, je ne sais pas. Ils ont fui. Voilà la voiture qui est garée. La police est venue. Peut-être ils ont même mis quelque chose ici dedans où je ne sais pas. Le gars a insisté quoi dans la maison aussi, maman? Il insistait quoi ici dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mes frères, je ne sais pas. Ce que le gars a insisté ici dedans. Quand on l'a partait venu chercher quoi chez moi? C'est devant vous que tout s'est passé. C'est devant vous que tout s'est passé. Il lance le direct. Comme quand il appelait, c'est parce qu'il était fatigué. Comme il est fatigué, il dit que bon, entre alors. Gloria. Viens. Je t'ai dit que quoi? Je t'ai dit que quoi, maman? Tu ouvres la porte pour quoi? Tu le connais où? Tu l'as vu quelque part? Et tu as ouvert pourquoi? Tu étais, je t'ai jamais ouvert la porte à une inconnue, non? Tu as ouvert pourquoi? Hey! Oh la police là! Oui, c'est ici, monsieur. C'est vous qui avez un peu? Oui. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Oui. Premier étage. Allô? Gloria. Tu me dis mal à la tête, maman. Je t'ai dit de ne plus ouvrir la porte aux gens que tu ne connais pas. Tu n'as ouvert la porte, tu le connais où? Hein, Gloria? La deuxième fois, c'est elle qui a ouvert. La première fois, tu as ouvert la porte. J'ai ouvert la porte devant toi. Devant moi? Tu étais dans les toilettes, c'est moi qui t'a pris pour t'amener dans la chambre. De quoi je ne me rappelle pas? Mais je ne sais pas. Mais il faut arrêter un peu là. Ah, dis donc, pardon, comment est-ce que je. J'ai fait ça en direct, regarde sur ma page Facebook. C'était en direct. Regarde sur ma page Facebook, c'était en direct. Regarde sur ma page Facebook, c'était en direct. J'ai lancé le direct. Il connaît ce qu'il fait. Allô? La police est où, Gloria? Viens ouvrir la porte au policier là. C'est même bien le corps qui fait mal. Oui, j'ai ouvert. Ma fille vient vous ouvrir en bas. Ma fille vient vous ouvrir en bas.
Gloria, descends, va ouvrir la porte à la police là. On tient la porte, je ne m'ouvre pas la porte aux gens que tu ne connais pas. Qui a ouvert le champagne là? Qui a ouvert le champagne? C'est moi. Pourquoi d'abord? Attends, le problème c'est de savoir pourquoi. Attends, je t'explique. Pourquoi? Mais là, j'explique non? Tu m'expliques quoi? Voilà. Quand on sort de la femme de Bertrand nous dépose ici. Elle nous a déposé, oui. Je sais qu'elle nous a déposé en amont. Écoute. On a traversé. Il n'y a personne. Laisse-moi finir. Oui. Ouais. J'attends la chambre, mon téléphone se tape à Julien en ligne. Mon téléphone sonne. J'étais au lit. Oui, nous étions au lit. Mon téléphone sonne, je parle avec Dieu. Ah, voilà. Mon téléphone sonne. Oui. Je vois un numéro que je ne connais pas. Je dis, dès qu'on est déjà, je vais qu'attendre. On m'appelle sur ma ligne. Oui. Je dis, allô. J'entends la voix d'un gars. Quand on l'appelait, dit qu'ils sont venus à la soirée à Reims. Leslie a cassé, avec un groupe de 10 gars, ils ont cassé leur voiture. Où est ton problème? Et c'est moi qui ai organisé la casse. Où est ton problème? Attendez que j'ai organisé la casse comment? Il est connu sur ma balle et ton immeuble. Et où est ton face. Problème dans ce maman, moment. J'ouvre maintenant, j'ai compris. Pourquoi tu ouvres donc? J'ouvre, il dit que maintenant, j'ouvre, je vais pas faire. Mon problème, c'est attends, d'abord la police, il faut d'abord faire. Il faut d'abord. Oui, il faut d'abord faire la police. Tu ouvres d'abord pourquoi? Mais parce que je me suis dit que. Ils si sont. Tu as donné le champagne. C'est là, c'est moi, il leur a dit entrer. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Ils m'ont dit que non, ils ont sorti dans la paix. Mais pourquoi vous voulez vous me suivre? Tu donnes le champagne. Vous me suivez pourquoi? Tu donnes le champagne. Vous m'espionnez. Moi j'ai déjà peur. Je dors. Pas... Ils sont deux. C'est là où je prends le champagne. D'abord, pourquoi? Mais je suis accueillante, là, papa. Tu es accueillante sur quoi? Dans la maison. Gloria. Dans la maison, ton nom, alors tu dors. Gloria. La police ne monte pas. Hein? Ça. Ils sont où les policiers? Et tu as ouvert la porte comment? On ouvre la porte comment? Elle est restée avec le bible, les niens là sont en bas. Et puis tu parles de quoi là? Ils sont en bas. J'ai pas mon problème, tu ouvres la porte pour toi. Mon problème c'est que tu as ouvert la porte et accueilli deux hommes quand je dors. Mais parce que ils ont dit qu'ils sont venus. Non, ils m'ont suivi. Gloria, prends les clés. Elle fait que ton homme dort. Voilà, ça y est, j'étais les clés, maman. Tu t'as ouvert le champagne dans une maison alors que je dors. Et tu me parles de quoi là? Tu n'as qu'une raison là. Faut arrêter ça. Ils ont raison du tout. Donc ça dit qu'ils même sont oubliés le téléphone. Tu n'aimes même pas le téléphone. Ils n'ont pas oublié le téléphone. Ouais. Ils n'ont oublié aucun téléphone ici là. Ils ont peut-être venu mettre un drogue ici dedans. C'était la stratégie, moi je comprends plus. Parce que quand je dormais, qui d'abord fait la caméra, je suis en direct. Mais parce que là, mais ils ont venu faire quoi? Ok, j'ai eu temps d'ouvrir la porte. Tu ne peux pas ouvrir la porte. J'ai eu temps. Arrêtez ça. J'ai eu temps d'ouvrir la porte. Je dors. J'ai eu temps. Et vous vous asseyez. J'ai eu temps d'ouvrir la porte. Ouais, Seigneur. Bonjour. C'est vous qui avez... Oui, c'est moi qui... Mais il y a un monsieur qui a agressé, je dormais. Ouais. Je ne savais pas, en fait. Il est parti, c'est ça le... Non, oui. Il n'a pas parti. Voici, leur voiture, ils sont encore garés devant, là. D'accord, mais quand ils ont entendu que j'ai appelé la police, ils ont plus chute. D'accord, voilà, ils sont plus chez vous. Oui. Donc, de toute façon, c'est des amis à vous, vous connaissez. Donc, moi, je ne les connais pas, en fait. Non, une fois, ils m'ont agressé. Je vous explique le problème. Où j'ai porté plainte à la police de Reims. Alors, ce matin, nous étions à une fête, ici, à comme nous habitons ici. Eux, ils n'habitent pas ici. Ils habitent, je ne sais pas, peut-être une ou deux heures d'ici. Bon, quand je rentrais, quelques minutes après, ils m'ont appelé au téléphone. Je n'avais plus le numéro, il n'était pas identifié. J'ai décroché. Ils m'ont dit, quand nous sommes arrêtés, on s'est fait agresser par des gars dans cette salle-là. Et tu es parmi, c'est toi qui as envoyé ces gars. Je leur ai dit non. Moi, c'est la maison. Ils m'ont dit que nous sommes devant chez toi. J'ai ouvert la porte, je leur ai dit que bon, si vous voulez entrer, vous entrez, mais dans la paix, pas dans l'avion. Parce que si vous entrez dans l'avion, moi je vais appeler la police
Ils sont entrés, je leur ai fait asseoir, je leur ai donné à boire et ils sont repartis. Alors comme j'étais endormi, ils sont revenus, ils ont vu la petite. Elle a ouvert la porte. Ils sont entrés. Mais dans le sommeil, j'ai entendu une voix d'homme. Et quand j'ai vu que mon mari était à côté de moi, il dormait, j'ai compris que c'était. Ils sont revenus pour une deuxième fois. Et la petite a réussi à fermer la porte, ils sont partis. Ils reviennent encore pour la troisième fois. Ils sont entrés, parce que moi j'ai des problèmes avec eux. Je ne sais pas s'ils ont mis la drogue ici à l'intérieur ou quelque chose, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je leur ai dit que je vais appeler la police parce qu'il n'y a rien d'autre chez moi. Au cas où peut-être ils ont mis la drogue, je ne sais pas parce que. Vous avez trouvé. Ben là ils sont partis, vous embêtez. Lui ils sont juste. Ils sont encore barrés là, mais ils ont pris fuite de ce côté-là. D'accord. C'était la voiture. Oui, c'est la voiture là. C'est quoi la voiture? Voici, elle est là, cette voiture. C'est cette voiture. Cette voiture. C'est la petite noire là en face? Oui, la petite noire. Oui. C'est quoi, c'est une C4? Je sais pas, c'est la petite voiture noire. Bon, on va juste. Après, juste votre nom, parce qu'il faut qu'on soit. Vous avez une pièce d'identité? Oui, oui. Comme on est venu chez vous. D'accord. Jusqu'à l'aide de moi. Ils étaient là, Et voilà, quand elle a la bouteille là. Venez voir. Attends. Ouais. La bouteille, quoi là? Il y a quoi, t'es? Mais Gao la Pantera, c'est un dangereux. Hein. Il est revenu ici deux fois. Moi-même, j'ai porté mes points. Qui m'a dit même de les laisser entrer ici? Ah, dis donc, et pas montrer quand vous buvez, vous faites comme vous êtes trop fort. Babada de la boisson. Il est entré chez moi, ils sont entrés chez moi. Et ils ont fui. Ils sont là, ils sont pas partis. Ils ont fui. Ils sont là. Celui qui travaille à la NASA, là, c'est un menteur. Le gars, là, ce n'est pas un Américain. Il ment. Dès qu'il va appeler la police, il était le premier à fuir. Nous sommes même les papiers. Je n'ai invité personne chez moi. Vous n'avez pas compris. Allez, regardez le premier direct. Je ne comprends rien. Je dis, mais tu as déjà un. Tu as ouvert la porte pour toi. Bah oui, pourquoi vous le regardez? Déjà, en sachant que tu as l'étude. Vous connaissez ces gens? Non, ils m'ont agressé à Paris. Mais pourquoi tu as ouvert la porte? Et ils avaient promis de revenir m'agresser à Reims aujourd'hui. Mais mon problème, c'est que c'est. Mais quand ils sont arrivés, ils m'ont dit que non, ce n'est pas. Mais c'est ça que mon problème. Ils m'ont agressé la dernière fois à Reims. Pas doucement, non, Stéphane, c'est quoi? Non, je suis énervé. Et alors? Je suis énervé. C'est à quel ça va servir à quoi? Ils sont assis là. Ça, c'est les collègues de la croix. Vous avez bu là. Doucement. Vous avez bu. C'est quoi? Monsieur, ils sont assis. Ils ont bu. Ah ouais, vous avez bu avec. Mais voilà! Je n'ai pas bu avec un panier d'arrivée, je l'ai fait en direct Facebook. Mais ils m'ont dit de couper le direct, j'ai dit que je ne coupe pas le direct parce que je ne sais pas. Vous devez dire avec des mauvaises intentions, ils m'ont dit non. Ils ne sont pas venus avec des mauvaises intentions, c'était dans mon direct. Ton homme, il dort. Et alors? Ouvrir la porte déjà. Parce qu'on ne comprend pas. Hein. Pourquoi ouvrir déjà la porte, monsieur? Je trouve ça bizarre. Mais c'est bizarre! Moi-même, c'est bizarre! Madame, elle est en train de chipper les collègues. Mon problème, c'est que pourquoi ouvrir déjà la porte? C'est ça mon problème. Et vous êtes assis, et vous buvez. Jusqu'à prendre une bouteille, vous vous asseyez, vous buvez. Il y a quoi? Ton homme, il dort. Vous êtes né au Cameroun, c'est ça? Oui. Oui. Je vais juste prendre votre téléphone. 07. Ouais. 66. Ouais. 29. Ouais. Je suis 22, je suis 01. Ils s'appellent Kamo Lapandé parce que ce sont des personnes qui m'ont déjà agressé à Paris. Donc ils sont revenus aujourd'hui, ils étaient garés là, ils m'ont dit que nous sommes devant chez toi, mais nous ne sommes pas venus pour la violence. Ouais, c'est ce que vous avez dit. Je leur ai invité, bon, ok, si vous n'êtes pas venu pour la violence, moi je vais mettre un direct Facebook parce que. Moi je veux savoir pourquoi initialement à Paris ils vous ont agressé. Bon, ils m'ont agressé à Paris parce que c'est un groupe d'activistes camerounais. Je ne sais pas ce qu'ils revendiquent et ils m'accusent. Que je suis un espion du gouvernement qui est en place. Alors, ils ont décidé de boycotter tout cela. Il est au courant. J'ai porté plainte à la police de Reims. Je alors, ils sont revenus aujourd'hui. Moi, je me suis dit que. Ils m'ont dit non, ils ne sont pas venus dans la haine. J'ai lancé un direct. Après, aujourd'hui. Je leur ai fait entrer que prenez une bière.
Ils m'ont dit que non, s'ils m'agressaient avant, c'est parce que je leur ai dit que vous ne me posez pas quelque chose. Si elles finissent de boire, ils ont fini de boire, ils sont repartis. Et pendant ce temps-là, ils vous ont parlé de quoi là? Voilà. Non, nous avons parlé. Les revendications encore, les revendications. Oui, ici, il y a une violence la dernière fois, c'est parce qu'il y a des choses qui demandent à me passer. Moi, je fais des directs Facebook. Donc, je dois dénoncer les trucs qui se passent au pays et tout ça. Je leur ai dit que ce n'est pas une obligation. Je suis libre de faire de ma page Facebook ce que je veux. Je ne dois pas recevoir d'autres personnes. Ils me disent non. Vous êtes actif concernant le gouvernement camerounais, ça? Non. Dans les réseaux sociaux, dans la communauté. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. On a discuté par rapport à ça. J'étais en direct, puis il y a les internautes. Ils m'ont dit de couper le direct. Je leur ai dit non. J'ai dit que jusqu'à ce que vous partez. Donc, ils sont partis. J'ai fermé la porte. Et quand je vais me coucher, une heure après, j'entends les gens, les voix. J'ai dit, mais je demande à ma fille que c'est qui, elle me dit que c'est un tonton. J'ai dit, mais quel tonton? Je regarde, je reconnais sa voix. Il dit, ferme la porte. Elle ferme la porte. Et pourquoi il est intervenu? Vous avez reparlé avec lui? Non, je n'ai plus parlé avec lui. J'entendais comme il dit qu'il veut son téléphone. Ma fille a fermé la porte, ils sont partis. Deux heures après, ils n'ont pas oublié le téléphone. Moi, j'ai dit peut-être comme j'ai des problèmes avec eux, peut-être ils ont mis la drogue, peut-être pour appeler la police après, on ne sait jamais. Là, vous allez voir votre fille, vous dites qu'elle ne voit plus personne. Vous, madame, c'est pareil, vous n'êtes plus en contact avec ces gens-là. Le problème avec eux, c'est que vous n'avez pas les mêmes idées politiques par rapport au Cameroun, en gros, c'est ça. Vous ne pensez pas de la même façon. Voilà. Ok. Parce que quand ils sont revenus, ils me disent que j'ai oublié mon téléphone. Et aux toilettes, notre maison n'est pas désordonnée. On a qu'aux toilettes, j'avoue, tu as vu lui. Je dis, bon, tu m'attends d'abord là, je vais vérifier. Je ne sais pas comment tu es d'abord. J'ai aux toilettes, je vérifie, je ne vois rien. Quand je vais me le sentir, je vois les bouteilles et tout. Et puis, toi, tu me dis, mais. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'était combien ces messieurs-là? Deux. Bon, on va aller voir en voiture. Okay. Il y a un qui a mis, il a vu en rouge. Donc, une Camerounaise aussi. Oui, c'est des Camerounais. Ok, ça va. Bon, reposez-vous. Merci. On va être passé devant la voiture déjà. Oui, la voiture, ils sont en première. Tu peux me filmer la plaque et tout. Ok, ça marche. Allez, bonne nuit. Merci. C'est mon problème, c'est que tu es un mot. Jusqu'à l'aide de l'argent. Attends, il t'explique, Stéphane. Parce que depuis que tu parles, j'étais surpris. C'est quand tu quittes, quand on sort de la voiture de la pomme de Bétra, dès qu'on entre ici, voici ma robe. J'ai enlevé ma robe ici, j'ai mis ça là. Gloria dormait là. Je suis entré là, je parlais avec Julienne. Voilà. Après, tu dis, oui, toi tu as fait aux toilettes. Non, moi je suis entré là, j'ai commencé à me. Dormi. Tu vois, j'ai parlé avec Julien. Après mon téléphone, Julien qui m'appelle avec un numéro. Je ne sais pas qui c'est. Moi, je me suis dit que peut-être si c'est la femme de Bertrand qui rappelle que je n'ai pas son numéro. Après, en train d'avoir les cas, on a parlé, dit que Lolo, nous sommes venus à Reims. J'ai dit que vous êtes venus à Reims pour me boycotter. Il dit que nous ne sommes pas venus à Reims pour te boycotter. Mais nous étions à la soirée là. Tu viens de partir avec Stéphane. Nous étions à la soirée. Les gars, il y a eu 10 gars qui ont cassé notre pare-brise. Et Leslie était là. J'ai dit que Leslie était là comme elle, que c'est Leslie qui a monté les gars. Il dit, mais Leslie n'est pas violent. C'est quoi? J'ai dit que je suis même devant ta porte. Je dis, attends, je me lève maintenant. Je vais vérifier. Écoutez, je me lève maintenant. Je prends maintenant la robe ici, la robe que tu veux. Je mets sur moi. Je me mets à la terrasse, là, je guette. Je vois qu'ils ont garé la voiture. Il me dit que regarde, je suis garé. La voiture est toujours là. Tu connais les voitures? Oui, c'est là, c'est la même voiture. Tu as vu garer là-bas? J'ai vu garer, ils avaient mis les warnings là. Oui. Voilà. Ils ont garé. La voiture est là, c'est toujours là. Oui. C'est la même voiture. Attends, c'est la même voiture. Ils n'ont pas bougé depuis. C'était des menteurs. C'est des menteurs, ils sont jamais partis. Voilà. C'est la même voiture. La voiture qui est en face là. Oui. Viens, je t'explique. Son ami l'a dit maintenant qu'il est amené. Écoute, je lui ai dit maintenant que je descends. Écoute, je vais vers eux. Je leur demande où est la voiture, la pare-brise qu'on a cassée. Il me montre les questions de bouteille sur les pare-brise là. Il dit que ce sont les gars de lui, que ce sont les gars de Rennes qui ont cassé ça. Cassé, il dit moi, ce sont les questions de bouteille. Je lui ai dit maintenant que. Ils ont dit que c'est pour ça que j'ai lancé le direct. Que venez vous-même voir ce qui se passe en live. Il m'a dit qu'ils ne sont pas venus faire la guerre avec moi.
J'ai mon corps, les maghrébins font la guerre avec moi, mon temps, c'est moi qui ai la. C'est là que je suis ma femme, non? C'est moi qui monte avec eux, je suis ici, je vais le mettre, il boit quoi? Il me dit que je bois le champagne, j'ouvre le champagne. Le gars là, assis, quand on est assis là.